quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Enfin, on va pas aux entraînements au stade de l'Aube. Après, on y va maintenant le samedi soir où on y était lundi dernier contre le Havre. Donc voilà, après ça fait plaisir de voir des joueurs professionnels ici à Fontvelle. Sentiment, déjà, c'est super que Trois-Champagne Métropole et les SAC, dans un partenariat qui s'inscrit quand même dans la durée aussi, puissent permettre aux communes du territoire d'accueillir l'équipe phare donc, de notre région et de notre département. Et puis permettre aussi à tous nos jeunes de venir voir d'un peu plus près donc, les joueurs professionnels de l'Estac. Bon, j'ai une pensée particulière pour quelqu'un qui serait heureux d'être là aujourd'hui, notre trésorier Patrick Paquet, qui nous a quittés au mois d'août. Et son petit-fils est là aujourd'hui, il est derrière le grillage et regarde les pros certainement avec une envie, c'est d'un jour être à leur place sur le terrain et sur celui du Stade de l'Aube notamment. Mais. Stéphane Darbion à d'autres villages aux alentours, voilà, montrer aux enfants un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, c'était un plaisir. En plus, on a les conditions qui sont réunies, on a eu un beau temps. Après, au niveau du temps, ben, c'était un peu mitigé, mais bon, on s'adapte, on est là pour faire le taf. Donc voilà, on a passé une bonne après-midi. Arrivé à Fontvanne, on a fait du foot et à côté on regardait l'entraînement des professionnels. C'était bien, on avait des cadeaux, par exemple un ballon de foot, et on a passé une super journée. Déjà, on peut remercier l'entraîneur et les joueurs de l'Estac, mais oui, c'est unique et je pense que dans le cadre de notre partenariat Trois-Champagne Métropole, donc avec 81 communes, des communes rurales, venir un petit peu à l'extérieur de l'agglomération pour rencontrer le public, les jeunes et en plus, comme aujourd'hui, offrir des ballons à l'enseigne Trois-Champagne Métropole, donc des ballons qui ont été donnés par les joueurs de l'Estac. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut renouveler et dans tous les cas, on travaille pour renouveler cette action plusieurs fois cette année.